مسيرة سلمية بمناسبة ذكرى 19 لإعلان حالة الطوارئ في الجزائر. الطالب تاعنا وهو إطلاق صراح الناس هذو قال رانا درنا، ولكن لازم نقولوا باللي هذه الحركة، هذه التنسيقية، يعني هناك يعني استراتيجية أولية، ولكن الهدف هو تحرير وهو ذهاب النظام في الجزائر وتغيير حقيقي نحو الديمقراطية. نطلب من الإخوة اللي يدخلوا، لأن رانا فيه بزاف وكثير ممثلين تاع الأحزاب وتاع الجمعيات، يعني كل واحد ياخذ دقيقة دقيقتين باش نتناقشوا في هذا الموضوع فقط. C'est ça qui nous unit tous, c'est la marche. On ne regarde pas le passé, on ne parle pas du passé, on regarde vers l'avenir. Et on va marcher ensemble. Le premier problème, c'est la marche. La marche, elle va se tenir quand? Il y a deux dates symboliques. Le 9, c'était mercredi. Et il faut, à mon avis, je propose qu'il faut la faire le 12. Pourquoi le 12? Parce qu'il faut que tout le monde soit présent. Il faut qu'on déclenche quelque chose qui puisse changer les choses en Algérie. Alors, je crois qu'il faut limiter aussi à Alger. Après, dans, on aura le temps, vous savez, toute l'année, nous devons être présents jusqu'à ce qu'on obtienne le changement. C'est une réponse à une violence sociale exercée par l'État sur les jeunes. C'est quand l'État prive les jeunes d'un poste de travail, d'un logement, d'avoir l'accès aux soins d'une manière gratuite, d'avoir l'instruction, c'est normal que ces jeunes vont se révolter et il faut attendre votre révolte prochainement. Qui préoccupe la jeunesse. Il y a les jeunes chômeurs de Hassim Saad qui ont fait une tentative de suicide collectif. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas un boulot. Ils cherchent partout, mais ils ne trouvent pas de boulot. Il y a des syndicalistes qui représentent les travailleurs. Depuis 2003, depuis des années qu'ils mènent des grèves pour les augmentations des salaires, pour l'échelle mobile des salaires, pour une retraite décente. Ce sont des revendications qui intéressent les travailleurs, qui intéressent les jeunes des quartiers populaires, qui intéressent les étudiants. C'est ça, normalement, Si maintenant, certains voudraient revenir sur des divergences, chacun a des divergences avec tout le monde. Clairement. Donc le premier point dont je voulais parler, j'ai dit, c'est l'identification. C'est-à-dire, la situation aujourd'hui telle qu'elle se présente, où nous sommes prêts à saisir cette opportunité. Moi, autour de moi, les citoyens disent on ne comprend pas. Toi, le Saga, où je connais mon chauffeur? Non. Alors, la plus belle, c'est le Mazari. Avec le football. Alors, où on répond à ce besoin de la société, on l'assume. Et donc, on assume la répression qui va avec. Concernant la jeunesse du français, Béry. Il y a aussi des syndicats là. Par exemple, nous comptons que représentants d'étudiants. Je dois aller aux étudiants rendre des comptes. Si en Tunisie, ça a duré un mois, ici, moi, je me prépare pour durer très longtemps. Un mois de rousse. Donc, allons-y avec courage. C'est l'élément clé. La peur doit changer de camp. مثلا برفع حاله الطوارئ ولا باطلاق سراح المساجين الوغ احنا نحاول احنا رانا نقولوا بلازم هذا النظام يتغير جذريا يروح نظن باللي هذه في هذه لان الا درنا قدمه في مسيره رغم كل يعني الممنوعات معناتها باللي ديجا انا درنا قدمه باش النظام هذا يروح وباش يروح هو بالاجراءات نتاع التسلط اللي راه دايرهم على الشعب نتاعنا. اذا مو جو بونس كيل فو اتر اوفونسيف بريباري فيكسي اون دات فير لا مارش اي موبيليزي بلازم يفو كو تو الموند مات لا مان على بات باسكو باش ننظموا تجمع ولا مسيره جماهيريه ماهيش غير نجو نجتمعوا هنايا ونتفاهموا على بات وكل واحد Pourquoi on va encore
alors qu'il est en déliquescence ou déjà mort, pourquoi on va réclamer quoi que ce soit? Par contre, excusez-moi, par contre, je suis certaine aussi qu'il faut préparer l'alternative et qu'il faut s'organiser dans des programmes. Dans des programmes construits pour faire un état de droit, pour faire avancer. Donc je ne pense pas que ce soit contradictoire. Tout ce qui est de slogans flash et court et incisif, M. Ali Yahya l'a dit, et je pense que ça rejoint tout ce qui a été dit précédemment. Nous marchons, nous sommes là, et c'est urgent de nous exprimer. Pour dire à ce système, dégage. C'est bien ça, je crois. Nous n'aurons même pas de mérite dans... là, je trouvais magnifique que le peuple égyptien ait repris tout simplement, vous avez remarqué, je ne pense pas que c'est pareil, que c'est un pur hasard, le peuple égyptien a même repris la pancarte, le slogan unique, incisif. Donc le changement, c'est très clair. C'est ça, je pense, qu'il faut, de manière diverse, décliner dans les pancartes au cours de cette marche. Les travailleurs, la jeunesse, les chômeurs contestent ce choix libéral. Et je pense que dans cette contradiction, que notre choix politique ou social doit s'insérer et doit s'inscrire. Premièrement. Deuxièmement. Je précise mes mots parce qu'on n'a pas besoin de demander un départ du système pour nous imposer un autre système. Donc si le régime en place, on demande le départ du régime. Sinon... Si nous continuons à rester encore dans les débats, le peuple va nous balayer tous. Le peuple va sortir et va nous balayer tous. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Qu'on soit en soi, il faut qu'on soit présent. Comme ceci pour bien montrer oui. 15 jours, je dois me présenter. Allez, c'est pas pour discuter de mon cas. C'est pour dire un peu la nature de ce pouvoir. Il a aujourd'hui, ici, il fait plaide depuis 62, il est au mineur. Quel a été le crime? L'idénaire, un animal, un que je sois interpellé à Tmenia Ta'lil. C'est à cause de ce pouvoir. Il a laissé la haine, c'est à cause de ce pouvoir. Il a laissé les aînés, c'est à cause de ce pouvoir. Donc aujourd'hui, l'âme mouchtarak m'a vina. Elle n'a voulu la donner. Roh, roh, dégage, effectivement. C'est la seule chose, l'âme mouchtarak, elle a voix aujourd'hui. Le contenu de la marche ne doit avoir que ça. Je suis entièrement d'accord. Avec ce qu'a développé Samir, ce qu'ont développé les éléments d'Adizi Ouzou, Béjaïa, l'MDS, entièrement d'accord. Parce que chaque, il a besoin. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans le faire qu'on a. Je décris les conditions favorables. D'une compétition politique au doigt au couloir de niveau d'Ali Chab, où est-ce qu'on se tamarra. L'Algérienne est sinistrée. Qui sommes-nous aujourd'hui réunis autour de ces tables et dans cette salle? Et je partage le point de vue développé par Belaïd, qui coule. Identifions-nous. Nous sommes les représentants politiques, syndicaux, associatifs et peut-être même à titre individuel de la société algérienne qui a souffert depuis très longtemps. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus et je concentre toute mon attention sur la marche. Ok pour la marche. Ok pour le changement et la démocratie. Mais pas ok pour demander une autorisation, sous quelque forme que ce soit. C'est le peuple qui se met en marche. Et le changement doit commencer par ça. Si nous, nous sommes d'accord pour le changement, eh bien il faut poser le premier acte de changement, c'est celui de marcher sans demander l'autorisation.
organisation. Centralisé, décentralisé. On a entendu Bjeya, on a entendu Tizi Ouzou, on a entendu ce que nous n'entendons pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de voix à porter dans cette salle, mais qui se sont déjà exprimés. La marche, elle est nationale. La coordination est nationale. Ce n'est pas uniquement à Alger qu'on doit marcher. Je partage le point de vue développé par tout le monde en disant que la marche pour le 12 doit être nationale, organisée là où le peuple, où les militants, où les syndicalistes, où les responsables associatifs peuvent l'organiser. Donc, nous sommes pour une marche nationale décentralisée dès le 12. Faire fléchir les décisions du pouvoir ou bien les changer complètement. Donc, aujourd'hui, il y a nos amis, nos frères qui sont dehors et qui sont emprisonnés dans les prisons pour avoir osé revendiquer le minimum pour leur survie. Donc, aujourd'hui, il est temps de provoquer l'étincelle du changement, parce que j'en suis sûr que la marche qu'on va organiser le 12 sera l'étincelle pour une explosion sociale qui va entraîner avec elle ce régime, à bas le régime de Bouteflika, à bas le régime d'Ouïtia, même si nous savons pertinemment dans toute organisation. On l'a dit lors de la réunion de la coordination locale des étudiants, il y a toujours des infiltrés. Même nous aussi à Tizi Ouzou, ils ont essayé de nous infiltrer, ils ont essayé de casser la dynamique de la marche du 1er février, mais on a su déjouer toute leur manipulation. خروج ومن بعد تعاود ترجع ومن بعد تعاود تخمم باش تخرج تارك تعطي بخبره للنظام باش يدير الصراع. هو عنده سنوات يدير في الصراع النظام هذا. حنا بغينا نلحقوا رساله للنظام انه جاء وقت الاعاده. الجزائريين مستعده تضحي من اجل بعضها. مستعده انا من الجنوب نضحي من اجل واحد الشمال والشمال يضحي من اجلي انا من الجنوب. لابد ان تلحق بالرساله هذه للنظام ونتمنى ان نخرجوا ما عندناش نرجعوا. لازم يطيح النظام هذا الى وليت راك تزود فيه بخبرة باش يدير الصراع حتى مرة أخرى. والسلام عليكم. قالوا لهم حتى النزاعات اللي كاين أو نيفو دو زونتربريز يلفو لي زاريتي نحبسو يلفو دي كريسيون دي كوميتي دو فيجيلونس باش وعلاش باش يحبسوا الحركة الشعبية والغليان هذا اللي راهو اليوم يلفو باس لو ريكيم. ما لازمش نغلطو. عندنا دي بريوريتي حالة الطوارئ. لا ليبرتي ديكسبرسيون سي اون بريوريتي بوغ لو بوبل سيكسبريم ومن بعد يدير واش يحب. Il faut rester sur le. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons. Il faut porter cette revendication aussi. Alors, on vient de. Il y a plusieurs sensibilités, il y a des partis politiques, il y a des organisations. Il faut s'entendre sur une chose. Mais les chefs d'Adenes Mitnefes, il faut encadrer ce régime, il va dire Maroche Moumdoun, Maroche Moudroï. Contrairement à ce qui. بالك الواقع في تونسيا يختلف عن الجزائر. باش البوفوار هذا شرى الناس، شرى الناس كاع. ابسوليمون. كسرنا الى اشتي كل موند. ابسوليمون. الفو ماتنا الفو الجهد تاعنا، لي زيفور كنا، الفو سوليدار اونتر نو. البارح ضربوا لي سانديكاليست ضربوا وحدهم. خرجوا لي ميدسان برا ضربوا وحدهم. لي بروفيسور ضربوا وحدهم. اليوم سي لوكازيون بور نو. Des mots d'ordre rassembleurs qui peuvent accrocher le peuple. Sans le peuple, on ne pourra rien faire. Ce que je propose aujourd'hui, c'est l'allocation chômage pour tous les jeunes à 50-60%. C'est ces revendications qui viennent mettre devant le pays de mur le pouvoir. S'il ne peut pas satisfaire, eh ben, il n'a qu'à partir. D'autres revendications, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on doit poser le problème de la répartition des richesses. La répartition des richesses, elle se fait comment? Elle se fait comment? On a chaque mercredi à la bras. الصغير فيهم انا هو. جي 47 ans.
sont vos données, l'âge la plus âgée à la 82 ans. Les Libanais, là, ils ont manifesté pour dire que je veux mon fils. Je veux mon fils, même Chirach. Pas même, qui va t'inquiéter de Rahman. Vous connaissez ce qu'il y a dans l'Algérie, dans le Zéb, vous trouvez qu'il y a dans l'Algérie, 70 millions. Il y a 70 millions dans le combat. Alors le pouvoir aujourd'hui, en deux temps, 70 millions, et dis-toi. Non, on ne va pas se taire. Ils ont créé un autre problème, le pouvoir. Le pouvoir, il a créé. À Talon, ils ont décédé. Donc les familles, ils demandent le corps à Sidi Mohamed, qui est l'idée. Donc le corps, oui, d'être l'idée. Qui dit le credo, oui, de fait toi. Et là, ce qu'on demande, allez, la commission d'enquête indépendante. Qu'il y a un slogan qu'on corrige là, ça ne fait pas longtemps, ça fait 15 jours. Que les familles des disparus ont manifesté chaque mercredi. Il y a un cas à faire. Je vais vous dire que vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous connaissez l'identité de ces gens-là. Donc, en disant que ce système doit partir, pour le changement, c'est pour arriver à débattre de toutes les revendications qui sont pour autant légitimes. Donc, de deux, je ne pense pas qu'on va demander autorisation à un pouvoir pour lui dire « laisse-nous marcher pour demander ton départ ». Le pouvoir, le 22 janvier, à travers la mobilisation de son arsenal policier, c'est plus l'expression de sa peur, de sa crainte, parce qu'il a vu que le moment est venu pour un changement en Algérie. Donc, je suis contre pour une autorisation quiconque à ce pouvoir. Nous allons marcher tous ensemble pour un slogan, le départ de ce pouvoir. Merci. Merci. En fait, ce n'est pas nous de dicter au peuple ce qu'il doit faire. Vous allez voir que lorsque le peuple va se mettre en marche, nous serons obligés de l'écouter très bien. Si nous n'arrivons pas à comprendre son message, nous serons disqualifiés. Il va secréter lui-même ses paroles par représentant et nous allons nous retrouver sur la touche. Si c'est le salut de l'Algérie, eh bien, que la solution. Et chacun dire, donc, il faut faire un mohem. C'est tout. Il n'y a pas de chef ou de chef. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Parce qu'il y a un chef qui est le pouvoir. D'accord ? Mais je ne fais pas le problème de processus de Tunis. Tunis qui n'a pas les jeunes et les chômeurs. L'égitité, ce n'est pas la centrale de la dette. C'est une fédération. D'abord, sur l'arsenal juridique, il est l'artifice institutionnel. L'état d'urgence, c'est quoi? Si par cet artifice que le pouvoir maintient sa police, maintient son armée, il bafoue toutes les libertés. Faisons sauter cet artifice parce qu'il est important que la société puisse dire ce qu'elle ressent pour que les gens puissent s'exprimer, puissent marcher. Et à partir de ce moment-là, le pouvoir, quand il partira, l'Algérien pourra décider de lui-même, de quel État, enfin, un État démocratique. Mais il y aurait la possibilité de s'organiser librement, de militer librement, d'élire ses représentants librement, sans fraude. Voilà. Donc ce qui nous importe, on n'est pas dans l'exposé des programmes politiques, mais nous avons un minimum, une préoccupation commune. C'est quoi? C'est que ce système-là ne devrait pas perdurer. Nous agissons de façon pragmatique, nous commençons par faire pression. Et comment faire pression dans notre cas? C'est d'abord de marcher. C'est de marcher, de faire grève, d'éclater les marches sur l'ensemble du territoire national. Il faut que la pression soit continue. Et il ne faut pas que ce soit une action sporadique à partir du 12 d'Arloul Darno. Il faudra que cette coordination soit pérenne. Voilà ce qu'il y a à vous dire. Merci. Qu'on a mobilisé pour arrêter la marche du parti du RCD. Et je pense que ce qui doit nous intéresser, c'est les modalités. Parce qu'on peut se perdre dans les détails, et je pense que le peuple nous attend, et il ne va pas nous pardonner. Il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des animosités entre les uns et les autres, on peut les mettre de côté pour voir l'objectif qui nous réunit ici, c'est un changement en dehors et contre le régime. S'inscrit dans le cadre de la révolution pour le départ du régime. Je vous le dis à nous, la cadrine des rois, m'rahba, m'akoum, il est l'âme. Moi, je ne suis pas le talent de la loi. Je vous demande un compte,
il va me contredire, je m'inscris sur le terrain de la résistance sociale aujourd'hui. Ndir chi li qadr alayh. Chi li qadr alayh aujourd'hui, qadr ninjah tajamma fi l'asima. Qadr ninjah tajamma par exemple fi Djaya, fi Tizi Ouzou, fi Annaba, ma ala balil. Pour pouvoir réussir ce rassemblement, nous devrons se mesurer au niveau régional par les mêmes coordinations à l'échelle locale pour voir qu'est-ce qu'on peut transférer. Ça veut dire que maintenant, parce que vous êtes ici, vous présupposez que les autres qui ne sont pas avec nous, qui ne s'organisent pas, ne font rien. Les Algériens sont comme nous. Je suis membre de la société civile, je vous rapporte les poules parlées. On entend parler. Tant mieux. C'est pour ça que je vous dis. Malich, dans un mouvement d'histoire, c'est comme un moteur de la voiture. Il y a des éléments très petits, il y a des éléments immenses. L'histoire a besoin du petit élément et elle a besoin du grand. Câble serré, ouais. La voiture. Du coup, là, il est ridicule. Fais-moi. C'est un système dynamique. Ça ne marche pas. Donc, même dès que le citoyen miskin qui a fait le Borjbou Arrej, il est d'accord sur le principe du changement, mais il ne sait pas quoi faire. هذاك او بون مومون لا ديناميك دو ليستوار يلقى بلاصتو وحده اوتوماتيكمون عنده بلاصتو ميم لو فوايو اسمه بوفوار فوايو انا جو في بوتيغ هذا اللي اسمهم هو لو فوايو باسكو سي لو بوفوار لو ميم كي فوايو هذا اللي اسمهم هو فوايو اي نوز اون ريغلي دي بروبليم كو لي زيليت لي زون بوليتيك نون با ريغلي دوبي 20 ans اسمع لا تيز نتاع مرضونا بريس مرضو الشعب مرضو الناس باللي بوتفليقه اي بريبار سون فرير Maintenant, après la contestation, après les émeutes, les jeunes, ils ont dit que Saïd Bouteflika, il a dit qu'il a pris 3 km, 300 mètres, 3 mètres, ils nous ont réglé le problème, c'est Abel Khadr. Ils ont réglé le problème, c'est Abel Yahya. Ça ou là ? Mais il a dit qu'il a dit que c'est des jeunes, ils ont dit qu'ils ont dit cet objectif. Parce que le problème, c'est Fulan ou Fulan. C'est-à-dire que la contestation en soi, elle est importante. Maintenant, il faut lui donner un contenu, mais le contenu, il faut pas qu'il s'inscrive dans le passé. Il faut que le contenu s'inscrive dans une perspective d'avenir. C'est ça l'espoir, sinon, ma vraie, prenez le coup de la Tunisie. Je comprends que même ça va se passer comme ça. Je comprends que même un citoyen universitaire qui mène ça, carré, qui mène ça, il a essayé par tous les moyens de travailler et de subvenir. Oui, personne. Donc il faut que les Algériens se prennent sérieusement en charge. Pour passer à l'action. Par rapport à demain et non pas par rapport à hier. C'est sûr. Parce que pour moi, le pouvoir, c'est. Il est synonyme du passé. Non seulement il faisait le passé, mais il est dépassé. Qu'est-ce que l'espoir ? Si ce n'est ce qui va se passer demain. Faut donner un espoir aux jeunes. Et l'espoir, c'est pas un endéro. Il y a des hijabs, ou des abats. Il faut que la boudde m'a donné l'espoir au peuple. Il n'y a pas d'espoir au peuple. Il faut que le peuple soit en train de faire l'espoir. Il est prêt à le faire.